Yes, now they would like you to ask. Okay, you have finished your mission here in Butembo Beni Diocese. We want to know if what feeling have you after your mission? Good morning. Good morning. Bonjour. Bonjour. Merci. In Swahili you say abalgani. Muzuri. Muzuri sana. Muzuri sana. I would like to say great thank you to my host, Monsignor Melchizedek Sekuli, the Bishop of Butembo Beni, also the Chancellor, the priest, the sisters, the people of God who welcomed me 5 days ago. When I came here, I was not knowing what was coming, awaiting me in Beni Butembo. But immediately I got here, I saw the enthusiasm. I saw the people, very happy people, and immediately the mood changed. When I left South Africa, Johannesburg, I was a bit worried, knowing where I'm going. Sometimes there's not so peaceful, you know, conditions. But what I have seen my few days, the people, the priest, the sisters, the church is growing. The church is growing, the church is moving on. So I feel very, very impressed what I have seen here. Chancellor, the template. Son Excellence Monseigneur l'évêque Joseph Mary Kizito, qui est entraîné et qui a duré 5 jours, il dit tout d'abord merci, un grand merci à son hôte, c'est-à-dire Monseigneur l'évêque Melchizedek Sekuli, évêque de Butembo Beni, qui l'a accueilli. Et il dit également merci à tous ses collaborateurs, il remercie les prêtres, les religieux, les fidèles laïcs et tout le peuple de Dieu pour l'accueil et l'hospitalité qui lui ont réservé et durant ces 5 jours. Deuxième élément, il dit quand il est venu ici, il avait des sentiments de beaucoup de questions. Il se demandait comment cela va bien être, comment cela va se passer. Et tout de suite, quand il a été accueilli, il a senti l'enthousiasme et la joie du peuple de Dieu qui l'accueillait. Troisième élément, ce qu'il a constaté, c'est que l'église de Butembo Beni est une église en pleine croissance. C'est une église en marche. There are three reasons why I came. Il y a trois raisons pour lesquelles l'évêque est venu. The first one was to come and pay my comfort, consolation to the bishop, to the church, to the families of Father Abbe Boniface and Abbe Paul Musafili, to see they have died after working 20 years in South Africa. So I felt I have to come to say sole, pole pole, pole pole, Melchizedek, bishop, pole pole family, pole pole want to walk, everybody want to walk. That was my first way to come here. L'évêque dit qu'il est venu pour trois raisons principales. La première, c'était de présenter les condoléances à son excellence Monseigneur l'évêque pour la perte inopinée des abbés Boniface Issaro et Paul Musafiri, qui ont travaillé comme missionnaires pendant près de 20 ans dans son diocèse, celui d'Aliwal. En même temps, il est venu présenter ses condoléances à la famille, aux familles des deux abbés et à tout le peuple de Dieu, aux prêtres, aux religieux, aux fidèles laïcs et à tout le monde. The second point why I came, before the death of Father Boniface and the death of Father Paul,
I had planned this trip before to come and thank him for the love of the church in South Africa by sending out priests, by sending out missionaries. So I wanted to come and say thank you for sharing your faith with people in South Africa. So, and I said, even now, thank you. The church is not only in Butembo. The church is not only in DRC. The church is not only in Beni, but the church is the whole world. And you have contributed to that mission. When Jesus says, go out to the whole world. So the mission you had and you have acted on it. So I wanted to say thank you as a new bishop to the bishop who sent missionaries out. La deuxième raison pour laquelle je suis venu, c'était que même avant la mort des abbés Boniface et Paul, j'avais planifié de venir avec eux au diocèse de Butembo-Beni afin de remercier Son Excellence Monseigneur l'évêque et l'Église tout entière qu'il représente pour nous avoir envoyé des missionnaires qui sont venus et qui ont contribué à partager la foi avec notre peuple, avec notre Église. Ils ont été missionnaires et avec cela, ils ont partagé chez nous la foi en Christ. Ils ont accompli ce que le Christ a donné comme ordre missionnaire à ses apôtres lorsqu'il dit à ses disciples « Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toutes les nations ». Et donc, j'étais venu pour dire merci, un grand merci. The last point, the why I came here, is to ask, is to... is to ask for help. Is to ask for help. I'm a poor, poor bishop. I'm a poor bishop, and I came to another poor bishop. We are all poor, but I'm more poor than he. So I came to ask. I heard a new word, masikini. I'm very poor. South Africa, we need human resource, we need missionaries, we need people to come and help. So I came to ask for help. Et la troisième raison pour laquelle je suis venu ici à Butembo-Beni, c'est pour demander de l'aide, solliciter de l'aide en termes de personnel, de missionnaire. Comme je l'ai dit, je suis un pauvre, pauvre évêque. Je suis venu pour que vous êtes un pauvre, puisque nous sommes tous pauvres. What message do you address to all the Christians of this area that is known as the unity? I hope and I pray that peace must come. Peace must start in our hearts, and we must be able to see, we must be able to see peace in each one of us. I'm going to be going back with a message that we need peace. Peace in our country, peace in our family. That's the message I want to leave with the excellence that peace, peace, peace is needed. Yeah. So my message is that I'm going to pray for you that you may have peace. Not only in Eastern Congo, but in all of DRC, in Africa, and peace in the world. Alors, c'est sûr de savoir quelle est ma réponse, mon approche par rapport.
rapport à la question de sécurité ici à Butembo-Beni et dans la région de l'Est du Congo, je réponds que ce que j'ai retenu et ce que je crois du fond de mon cœur, c'est que je vais d'abord prier pour vous parce que la paix, la véritable paix, vient de Dieu. Et cette paix commence dans les cœurs de chacun de nous. C'est dans les cœurs que la paix doit être bâtie. Et après avoir pensé à la prière, je crois que je dois transmettre à mon peuple ce besoin de paix dans ce pays et dans nos familles. Et je vais faire tout ce qui est à mon pouvoir pour alerter ceux que je peux rencontrer pour que nous puissions tout faire ensemble de sorte que la paix puisse revenir non seulement dans ce diocèse, mais dans tout l'ensemble de l'Est de la République démocratique du Congo et dans le pays tout entier. Merci, Monseigneur. Ah, Sainte Sana, merci beaucoup. Et Kinandi, how do you say? Wasinja. 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 Monseigneur. Et je suis très heureux et très satisfait de cette visite pastorale de mon confrère dans l'épiscopat. Et je la remercie pour avoir pensé à venir chez nous après ce double deuil de nos deux prêtres missionnaires qui ont œuvré dans ce diocèse et son arrivée à porter et donner beaucoup de réconfort, non seulement aux familles biologiques, mais à toute la communauté chrétienne du diocèse. Parce que c'est sûr que tous sont informés. Partout où on est passé, on les a vus comment affluer pour venir voir et connaître notre hôte. Et ils ont répondu donc à l'annonce de son arrivée ici chez nous. Même les sauterelles n'ont pas manqué au rendez-vous. Alors, Monseigneur, sa grande demande, c'était qu'il y ait des prêtres d'ici pour chez lui. Est-ce qu'il y en aura? Et ça, c'est l'Église, donc ce qui est fondamental, c'est de savoir que l'Église est missionnaire. Et notre diocèse de Butembo-Beni a compris cela. La coopération ecclésiale est requise de tous les évêques. Donc il n'est pas... C'est vrai, que parce que nous sommes tous pauvres, et pour cela nous devons partager même le peu que nous avons. Il faut que les fidèles comprennent, et ils le savent. Quand nous disons que l'Église est catholique, c'est cette communion-là qui nous unit, pas simplement, pas d'abord en envoyant peut-être des prêtres ou de, mais c'est d'abord la communion dans la prière, c'est la communion des saints. Prier les uns pour les autres, être attentif aux événements qui adviennent dans les communautés chrétiennes, dans le monde, et d'être capable de mettre ça aussi dans nos prières. Nous sommes sûrs qu'ils nous ont toujours prié pour nous dans cette situation difficile que nous traversons, et on n'a jamais manqué une seule occasion pour le dire aux fidèles que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous, mais aussi tous les fidèles du monde qui apprennent ce qui nous arrive. Et quand nous avons des ministres qui peuvent aller aider, nous les donnons volontiers parce que l'expérience montre aussi que, je leur ai dit aussi, plus nous avons essayé de donner, et plus encore nous avons reçu. À vocation et à... Et nous pensons que c'est une réponse que Dieu nous donne à notre situation actuelle, très difficile. Nous avons, c'est sûr, besoin de la paix
Mais c'est aussi une situation qui a certainement suscité une ouverture de cœur. Je beaucoup de comprendre le rôle et la place de l'Église dans toutes ces situations que nous vivons. Parce que l'Église est, quoi qu'on en dise, parmi les rares qui parlent encore pour le savoir, qui osent dire ce qu'il y a et de demander ce qui convient pour la dignité de la personne humaine. Et en interpellant tous ceux qui ont des responsabilités, en les assumant dans ce sens-là. Ouais. Et donc pour cela, nous sommes très contents de cette visite qui nous a réconfortés et qui a réconforté tout le monde. Alors l'envoi en mission, ça peut traîner un peu parce que je sais que vous avez déjà finalisé la mise en place pour cette année. Oui, cela, ça va venir avec ça. On peut même demander aussi aux fidèles d'aller. Donc, c'est dit, tous les baptisés doivent être prêts à aller à mission. Si demain, il y a aussi de la laïcs qui viennent chez l'évêque pour dire nous sommes prêts à aller travailler ailleurs. Et je le dis parce que je participais déjà plus d'une fois. Vous avez déjà entendu parler de néo-catéchumènes. Ils forment des catéchistes pour l'évangélisation. Et là, j'ai rencontré des couples qui sont prêts à aller enseigner le catéchisme jusqu'au confins du monde. En abandonnant tout. To share the good news of salvation. Donc, ce n'est pas réservé aux prêtres, aux religieux, même les laïcs. It is the mission of all Christians. Among nous attendons que cela aussi arrive chez nous, qu'il y ait des fidèles, des couples, des jeunes. Si moi je pars pour aller, l'évêque va l'accueillir. Merci bien, Monseigneur. So, thank you. We are going to have a short prayer. Merci beaucoup. Nous allons prier pour vous et avec vous. In the name of the Father and the Son, the Holy Spirit. Amen. And we want to thank the church led by Monseigneur. Je voudrais remercier Melchizedek Sikulu. With all the people of God, with all the religious, the pastoral council, the leaders of the government, that peace may dwell in this beautiful land, that peace may be in our hearts, that our homes, our businesses, our schools, our hospitals may have peace. The church has to grow. The government has to grow. The families have to grow. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. Merci. Voilà. Safe journey. Yeah. Fellowship. Thank you. Thank you for the blessing. Ngata papa je.
vieille, le monarque.